Salut! Donc ça faisait pas mal de temps que j'avais pas enregistré RNH. Et on m'a proposé pas mal de requêtes sur les vidéos que j'avais uploadées avant. Hein. Donc du coup j'ai tout fait. Hein. T'as fait 2 pages. Bon ça c'est les magies, c'est pas des... Enfin si c'était des requêtes, mais on l'a déjà vu. Donc je vais pas... je me rappelle plus de qui a mis chaque truc. Chaque requête, qui m'a proposé chaque requête. Donc ils se reconnaîtront. Hein. Il y a certains, je me rappelle. Bon, alors lui, il a plus trop de magie, donc je vais faire les petits trucs. Alors, je commençais par Hideo. Donc, Hideo Kojima, pour ceux qui connaissent pas, j'espère que je vais pas dire de conneries. C'est celui qui est à la base de Metal Gear, quoi. Je pense que ouais, c'est le scénariste, sûrement. Enfin, c'est le. Voilà. Capcom, il travaille à Capcom. Enfin, je suis pas trop sûr de moi, mais en tout cas, c'est un rapport avec Metal Gear, c'est certain. Donc ouais, ça c'est une requête de Delnix, hein, j'en suis certain. Je suis vidéo, là, je vais faire le gros truc. Je vais faire Sasai. Alors Sasai, pour ceux qui connaissent pas, c'est-à-dire tout le monde, c'est c'est ben, le compositeur de musique de RNH. C'est marrant, tous les compositeurs, c'est des attaques de vent. Je sais pas si c'est normal ou si c'est un hasard. Voilà, Hideo, c'est juste une boule de feu en fait. Bon, vous fiez pas au truc, c'est pas parce que le sort est pas puissant que c'est une merde ou etc. Donc lui, il est dans la merde. En parlant de merde. Donc il y a le Mizushi, alors ça c'est une requête de Kerlex, si je me trompe pas. Ouais. Alors peut-être pas en fait. C'est Megami. Enfin je sais pas, Mizushi, je me rappelle pas du tout ce que c'est. Arina, bon ça on l'a déjà fait. Arakiri, c'est une requête de... Ah! Oh bordel. De Le Fumeur. Voilà, Kojima c'est une attaque. Donc, en fait, Hideo et Kojima, je vais peut-être les garder parce que ça coûte pas cher et c'est pas mal. Donc Arakiri, pour ceux qui connaissent pas. Moi je dis tout le temps ça. Mais... Ouais, pour ceux qui connaissent pas, Harakiri c'est ce que se faisaient les samouraïs avant. Ou même pas que les samouraïs d'ailleurs, je crois que après quand ils ont perdu la guerre, le japonais ils se faisaient Harakiri, c'est-à-dire qu'ils se plantent le sabre dans le ventre. Et ils se le remontent jusqu'à la gorge quoi. C'est un peu gore, hein, mais voilà. Donc Mugen, ça c'est un personnage de Samurai Champloo, c'est un manga. Voilà. Donc ça, en fait, moi, je vais surtout garder les petits sorts, en fait, qui sont assez utiles, pas cher. Donc là, je vais m'en faire d'ici le plus vite possible. Bon, je montrerai les autres quêtes quand j'aurai de la magie. Bon, lui, il en a pas mal de magie, mais bon. Alors Nezuka, en fait, je l'explique ce que j'ai été chercher ça. Alors Sasai, son prénom c'est Ryuji. Ryuji ça m'a fait penser à GTO, c'est un manga. Et le personnage principal de GTO c'est Onizuka, voilà. Donc, comment on arrive de Sasai à Onizuka? Et comme vous le savez peut-être, Oni ça veut dire démon, donc là on voit la mort un peu qui fait l'attaque. Bon, je vais abréger un peu les combats, je vous montrerai plus tard les requêtes. Hein. Kamikaze, bon pour ceux qui savent pas que ça, enfin si vous savez tout ce que c'est qu'un kamikaze, hein, je peux expliquer. Et ouais, apparemment ça veut dire vent divin. Donc Kami ça veut dire dieu. Et donc Kaze ça doit vouloir dire vent. Ouais, à la base ça voudra dire vent divin. D'après Kyralex. Bon, on aurait pas le temps de le voir. Bon, je pense pas qu'il va se suicider sur l'ennemi hein, comme attaque. Donc en ce moment, moi j'ai des gros problèmes. D'enregistrement au niveau du son, donc je fais plus Golden Sun, je vais le faire plus tard, hein, mais faut que je me rachète un micro, enfin une caméra qui fait micro. Donc ça vous l'avez vu, Hideo Kojima aussi. Ah non, Kojima peut-être pas en fait. De toute façon, ça c'est l'histoire que je vais garder hein. Pour le début en tout cas. Voilà, c'est une espèce de vague de terre. Bon, lui ça lui fait rien parce qu'il voit là. On retrouve Pokémon là-dedans. Donc ouais.
Je vais le soigner. Voilà. Mais en fait, si j'ai plus de magie, c'est parce que justement j'ai créé toutes les requêtes, je les ai testées après et j'ai sauvegardé comme un con, donc du coup je me retrouve sans magie. Donc du coup là je vais arrêter un peu les magies, parce que de toute façon je peux plus les faire, et je vais bourriner. J'essaie de sortir d'ici sans crever. Bon, j'ai toujours des trucs pour me ranimer, hein. Et des herbes. Pourquoi je vous ai dit plus Golden Sun, donc je vais surtout faire RNH et FF5. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aimez bien RNH. Enfin, j'espère. Donc voilà. Vous serez comblé. Et là, hop, ça devient le jour. Donc c'est le jour suivant. Là, ça bouge tout seul, hein, je peux rien faire. Du coup, comme c'est le jour suivant, on va faire le tour de brave. Donc, c'est le jour. Ouais, voilà, 3 jours écoulés. Alors, surtout ne pas oublier d'aller se reposer à l'auberge. Voilà. Donc ouais, les roquettes, je les montre, pour que vous voyez les roquettes que vous m'avez dit. Non, ça sent Barman, merde. Et par contre, je vais les supprimer après, celles qui sont inutiles ou qui coûtent beaucoup trop cher. Enfin, faut un bon rapport qualité-prix, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, sauvegarder. On est au jour 3. Bon, à la base, je disais que je ferais deux jours pour chaque perso, mais en fait... pas trop le cas, tant pis. Et surtout que j'avais dit que c'était mon scénario préféré, Sorland, et il a que un jour pour l'instant. Donc je pense le faire juste après la tour du brave, en fait. D'ailleurs, dans ma première partie, j'avais commencé un peu de scénario de Sion et de Risa, et après j'avais fait Sorland, j'étais quasiment arrivé à la fin avec Sorland. Tellement ça m'a plu. Et vous verrez plus tard. Oui. Ça c'est pas con. Toi là c'est pas des gardes qui te disent passe pas. Au moins, ils te disent qu'il faut faire quoi. Tu m'étonnes que là, je sais. Alors ce que je vais faire aussi. Alors soit l'arme, soit la magie. J'hésite, mais avec mes multiples magies là. Tiens, je crois que c'est Animou le sort parasité, alors je vais me la prendre. Animou ou Anima ou je sais pas quoi. Quoi, je crois que c'est Animou plutôt. Hein. Animou. Voilà. Alors déjà, je pourrais citer avec les sorts. Alors ensuite. Là, j'ai une bonne mémoire pour une fois. Je vais m'acheter des armes. Oui, et c'est bien pour ça que je te parle. Là, il se fout de la gueule de l'arme carrément. Ça. Ah non, non ça. Alors. Ouais, ça c'est des trucs à deux mains, donc je peux pas les mettre pour l'instant. Cristal, ok. Je vais acheter ça, ouais. Oula, mais j'ai pas beaucoup de trucs, dis donc. Donc. Cristal. Axis. Voilà. Donc, vendre. Une. Ah bah, pour tous les combats que j'ai fait, j'ai pas grand chose. Hein. Donc ouais, je vais voir qu'est-ce que je sais pas si je veux faire l'arme ou la magie. Je pense le faire la magie, mais je vais pas faire le con à montrer les requêtes comme ça en plein combat. Enfin, je sais pas, j'hésite. Dark à l'arme, je suis plutôt costaud, mais je pourrais me soigner qu'avec des objets. Donc ouais, je vais le faire la magie. Faudrait que je garde quelqu'un pour me soigner. Mais bien sûr, il a pas de magie, c'est Tur. Mix Tur. En a le plus, donc je vais faire magie. J'espère que je vais pas me gorer. Bon, elles sont deux, ok. J'aime bien ce truc où on peut choisir ce qu'on fait. J'hésite vraiment parce que là je pourrais pas me soigner
À part avec des objets, et là je pourrais, mais sinon il a pas de magie, enfin pas trop. Bref, pas de magie. Donc ouais, vous voyez, on n'a plus attaque. Donc lui il peut rien faire. Donc à mon avis il va passer son temps à se défendre. Donc Kamikaze, allez je vous montrerai Kamikaze. Je vais leur faire Naruto. Naruto, alors à la base c'était pour prouver que c'est Naruto c'est de la merde, mais malheureusement c'est mon sort. Alors, Yo et Kojima je l'ai fait, Sasai, bon c'est beaucoup trop gros, Mugen je l'ai montré, Jin c'est un autre perso de Samurai Champloo. Ouh, puissant Kamikaze, bordel. Très puissant. Et le truc c'est que quand il lance des sorts on peut les copier après. Ouh, alors ça c'est... Ah, on montre la supériorité de Samurai Champloo là. Attention. Alors, Rifuna, il peut toujours soigner lui. Eh, franchement, génial, hein, c'est ça. Ah, un petit Mugen. Ah, mais Jin, trop puissant, quoi. Ah, merci pour vos recaps, vous voyez comment on facilite un combat de boss, grâce à vous. Voilà, on peut... de se rappeler du nom du sort, mais bon, c'est pas très... Donc, Jin, ouais. Alors, lui, il peut faire affaire. Il va se défendre. Magie. Ouais, je vais pas faire ça, je vais essayer. Et Suzaku. Non, Expriop, c'est pas bon. Ça non plus. Sake. Sake, bon, alcool de riz, hein, tout le monde connaît. Ah, se prendre une mare de saké dans la gueule. Ah, puissant, hein. Alors là, on les a bien éclatés. On croit que c'était l'avant-dernier combat. Le prochain, c'est le dernier. Et tueur, il a rien. Putain, un raciste. Alors, du coup, on doit aller à... On prose. Faut que je m'en rappelle, là. Alors, elle a gagné un truc épine. Bon, bah, du coup, on a acheté ça pour rien. Sympa. Donc, voilà, un fouet. Fouet d'épine. Donc, là... Je sais que c'est court, mais je vais arrêter la vidéo là. Parce que je vais essayer de faire ça par phase, donc... Quoique, je sais pas en fait. Ouais, je sais pas si je vais arrêter. Comme ça, je ferai le jour en entier. Donc maintenant, ouais, que son, c'est fini. Je vais m'attaquer à Sorlent de nouveau. Dommage, ça devenait intéressant avec son, mais ne vous inquiétez pas, on le verra tous les deux. Même tous les trois. Voilà. À la supériorité du niveau. Donc ça c'est fait. Alors comment aller à Ompros? Ah oui, je sais. Il y a un port quelque part, où est-ce qu'il est déjà? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ça va. Alors. Voilà, crasseux. Crasseux, ouais, bon, ça doit être de l'équipement de toute façon. Alors, c'est un bouclier, c'est quoi? Ok, bon, je vais le mettre à elle, tiens. Ah, c'est toujours ça. Donc, ouais, apparemment, les covers on peut les avoir qu'avec son et une couleur par scénario en fait. Je rappelle que dans le château au début il y en avait 3. Ah, bah tiens, puisqu'on en est là, justement. Aller au château du début.
C'est pas long, hein, vous inquiétez pas. Je vais passer les combats, sauf s'il y a d'autres quêtes à montrer, je crois que je les ai toutes montrées. Alors, est-ce qu'il y a d'autres quêtes? Ah, Kiri, avec Kamehameha. Alors ça, bon, comme tout le monde connaît, Dragon Ball Z, parce que moi j'aime pas trop. Donc. Alors, et là non, ça n'envoie pas de boule d'énergie, ça soigne. Sur la durée, apparemment. Donc ça, on a tout montré, Mizushi, on l'a montré, je crois. Peut-être pas, en fait. Tant pis, je monte deux fois la même. Suzaku, bon, esprit up. Ça la montre, l'esprit Suzaku. Je crois que c'était un perso de Persona 3 de Pierre Alex. Bon, je vais baisser un peu le zik. Mais c'est aussi... ça, on a tout montré. Ouais, bon. C'est aussi un perso de Code Geass, un manga. Et moi, je me connais pas mal en manga. Voilà, bah, je crois que j'ai tout montré. Donc après, on bourrine, et puis voilà. Voilà. Donc pour l'instant, je garde tout, parce que j'ai la place, donc... Voilà, si je me rappelle bien, c'était sur la gauche qu'il y avait des coffres. Et puisque maintenant qu'on a le jade, en fait, on peut les ouvrir. Les trois coffres dont je vous parlais. C'est pas loin, normalement. C'est là, je crois. C'est là, ouais. Donc c'est pas celui-là, ni celui-là. Un truc qu'on peut pas, c'est pas avec le jade. Ah si, c'est bon, il réagit au jade. Voilà. Là, faudra revenir avec notre perso. Bon, c'est pour être de la merde pareil. Enfin, bon. Donc, bah, finalement, la vidéo est aussi longue que les autres. Voilà, donc, prochaine vidéo, c'est avec Sir Lunt. Donc, là, je quitte la ville, je sauvegarde. Et ça sera pour la prochaine fois. Donc, à la prochaine. Salut. Merde. Non. Pardon, ma souris déconne.